Voici le top 10 des meilleurs jeux mobiles du mois de janvier 2024, iOS et Android. Bonne année 2024 à tous! En 10ème position du classement, c'est GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City. Sur mobile, ils viennent tous de sortir en Definitive Edition. Il y a deux versions sur Google Play. Il y a la version payante de Rockstar Games qui coûte entre 5 et 20 euros par jeu. Il y a la version gratuite de Netflix. Donc, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez télécharger gratuitement GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City sur Google Play. En 9ème position des meilleures nouveautés jeux mobiles 2024, c'est Bob l'éponge Cosmic Shake. On retrouve Bob l'éponge et Patrick dans une aventure délirante à Bikini Bottom. Il y a plein de mondes différents à explorer dans ce jeu de plateforme. Vous pouvez vous déguiser en chevalier, en cow-boy, en pirate et vous pourrez même voyager dans l'espace. C'est le meilleur jeu de plateforme du mois, mais il est payant. Il coûte un peu moins de 5 euros. Ne vous inquiétez pas, les jeux gratuits arrivent tout de suite dans le classement. En 8ème position, c'est My Little Blood Cult. C'est le jeu addictif du mois sur mobile. Vous dirigez une pince dans un monde satanique et vous devez pêcher les démons et les uns après les autres. Le jeu est vraiment très addictif, il faut sacrifier des agneaux, il faut capturer des démons. Vous allez retrouver toutes les références des mondes occultes et démoniaques dans ce jeu gratuit. Merci à tous ceux qui donnent des commentaires sympas sous la vidéo, postez votre commentaire pour apparaître dans le prochain top 10. En 7ème position, c'est le shoot'em up du mois avec Flying Tank. Vous dirigez un vaisseau à l'horizontale et vous devez tirer sur tout ce qui bouge. Il y a plus de 24 missions à accomplir avec des super tirs, des combos et des mini-boss. Le jeu rappelle les jeux d'arcade et de console hyper poussés qui demandent à connaître les patterns sur le bout des doigts pour pouvoir avancer dans le jeu. Ici, la difficulté est bien dosée et comme c'est un concept de jeu assez rare, il a sa place dans le classement des meilleures nouveautés. En 6ème place, des meilleurs jeux Android 2024, c'est Soccer Manager 2024. Le jeu a plus de 1 million de téléchargements, c'est la mise à jour de la nouvelle année. Si vous voulez diriger une équipe de foot, Soccer Manager vous propose 900 clubs de football dans 54 ligues et 36 pays du monde entier. Le téléchargement de Soccer Manager 2024 est gratuit et vous allez pouvoir devenir une légende du football en entraînant vos joueurs et en gagnant un maximum de matchs. En 5ème position du classement, c'est le FPS du mois avec Arena Breakout. Avant chaque mission, tu dois préparer ton équipement, tes munitions, ton chargeur, ton gilet, ton kit de soins et vous devez partir à l'assaut dans ce FPS rempli d'action à la Call of Duty ou encore Counter-Strike. Avec 10 millions de téléchargements, c'est une valeur sûre dans la catégorie FPS sur mobile. À la 4ème place des meilleurs jeux mobiles du mois de janvier, c'est le RTS, stratégie et science-fiction du mois avec Project Entropy. Vous devez explorer des planètes lointaines et interagir avec les différentes civilisations extraterrestres. Chaque planète est remplie d'extraterrestres et vous devez vous battre et conquérir chacune des galaxies que vous explorez. Abonne-toi à la chaîne pour télécharger les meilleurs jeux gratuits sur mobile. J'ai mis les liens de téléchargement des jeux dans le premier commentaire pour te faire gagner du temps. À la 3ème position, c'est le plus beau jeu mobile du mois avec Souls. C'est un jeu d'action RPG gratuit au tour par tour avec des combats automatisés. Je suis pas un fan des combats automatiques, mais l'univers du jeu, les graphismes et les musiques sont tellement bien travaillés que ce jeu mérite qu'on y jette un coup d'œil, surtout qu'il est gratuit. En seconde place du podium, c'est Marvel Contest of Champions. C'est un jeu de combat avec Captain America, Hulk, Wolverine, Spider-Man et Deadpool et tous les personnages du monde de Marvel. Le jeu a une mise à jour majeure avec pas mal de corrections de bugs. Il y a plus de 100 millions de téléchargements. Si vous voulez un bon jeu de combat sur Android comme Street Fighter avec les personnages de Marvel, c'est le moment idéal. Et bien sûr, c'est un jeu gratuit. En première position, pour ouvrir l'année 2024, c'est eFootball 2024 de Konami. Et oui, le jeu ne s'appelle plus PES, nouveau nom de Pro Evolution Soccer. C'est eFootball avec les joueurs et les équipes officielles.